Jésus-Christ. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, Église. Je m'appelle Anani. Je suis originaire du Bénin. Le Bénin que tout le monde connaît déjà, et que c'est le berceau du Vaudou, dont mon défunt père est un des chefs. Voilà. Donc, j'étais déjà chrétien dans une église et Dieu m'avait béni. Mais subitement, tous mes affaires se sont écroulées. Je ne comprenais rien. J'étais victime de sorcellerie. Je ne savais pas, je me confiais naïvement à des proches qui étaient là pour m'enfoncer, je ne savais pas. Et du coup, j'ai tout fermé. Il y a les huissiers qui couraient derrière moi, et il y a l'URSSAF qui courait derrière moi. Le montant de l'URSSAF est le plus élevé, 200 000 euros. Et il y a le commissaire priseur qui sont venus dans ma maison et jusqu'à fouiller ma chambre. On pouvait faire l'inventaire pour saisir tout ce qu'il y a dans ma maison. Bon, et sur YouTube, j'ai rencontré le prophète Joël Crasso et j'ai commencé par suivre ses enseignements. Déjà avec le YouTube, j'ai commencé par être mûr. Hein, et je me repentais de mes erreurs que j'avais faites et pourtant j'étais chrétien. Voilà. Et c'est comme ça que je suis allé le voir, je l'ai rencontré. Et il a prié pour moi, il a dit que mes vœux sont exaucés. Je suis revenu et après, je suis passé au tribunal. Il y a l'URSSAF qui a renoncé à me poursuivre, mais je veux le document. Le document ne sortait pas. Bon, et le prophète est venu ici, dans cette salle, la dernière fois qu'il a fait la réunion dans cette salle, non l'avant-dernière. Et il était au milieu de la foule là, en train de faire bain d'huile. Quand je suis rentré dans la salle, j'étais en retard, hein, j'ai tiré son pantalon. J'ai dit, Seigneur, ma bénédiction, c'est tout. Qu'il m'impose les mains ou pas, moi, j'ai touché son pantalon. Il ne savait pas. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs dans la salle qui m'ont vu. Ça, c'est la foi. Et je suis parti. Dans la semaine même, le document est sorti que l'USAP a renoncé. A renoncé de me poursuivre 200 000 euros. Que Dieu bénisse. Le deuxième, la voiture, le taxi l'a projeté. Les gens viennent de la ramasser.
passé. On a quand même tenu la réunion. Aujourd'hui, elle est là. Nous bénissons le Seigneur, sa mort de Dieu. Amen. Tout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi, je suis la sœur Bangoura Fatou. Et comme d'habitude, on parle sur les réseaux. Bon, comme d'habitude, hein. Bon, j'étais à Marseille et un soir, je suis allée sur YouTube, je cherchais tout ce qui est adoration et tout, et c'est comme ça que je suis tombée sur le prophète Crasso, mon papouné, comme je l'appelle d'habitude. Amen. Et au début, j'ai regardé, il y avait plein de témoignages, il y avait la délivrance, la sorcellerie et tout ça. Et puis je me disais, bon, je trouvais ça un peu bizarre au début. Je dis, ah, ça, c'est encore les hommes de Dieu là, qui partent loin, là, pas chercher les histoires d'autres Dieu. Et après, j'ai dit, bon, d'accord, tout dépend de Dieu, c'est Dieu qui veut que j'aille. D'abord, il y avait une convention sur Lyon, et puis je n'avais même pas un sou d'abord, je n'avais même pas d'argent. Et j'ai demandé à Dieu, après quand j'ai pu regarder sa vidéo, j'ai demandé à Dieu s'il voulait que je parte à Lyon pour la convention. Et c'est comme ça, aux environs de 4h du matin, je regarde sur la poste là, pour voir si j'avais reçu l'environnement. Je regarde, je reçois l'environnement, j'ai dit, bon d'accord, c'est que c'est Dieu qui a voulu que je j'aille là-bas. Et c'est comme ça, automatiquement, j'ai pris mon billet et puis je suis partie. Et je suis partie à Lyon. Et quand je suis arrivée, j'ai cherché, hein, comme d'habitude, on cherche, avant d'arriver, on cherche. Et ça s'est bien passé. On a même cherché les chambres, ce jour-là, il n'y avait pas de chambre. Après, il y avait des huiles à acheter, il y avait des livres, d'accord. Bon, j'ai pris tout ce qu'on demandait, tous. En tout cas, j'ai pris mes huiles. Je lui demandais, on nous a expliqué un peu comment ça se passe et tout. Et après ça, je me suis préparée sur la vision. Il faut que j'aille jusqu'à Divo. Parce que moi, mon histoire est trop compliquée. J'ai tellement tourné, donc tu es belle ici, tu es belle. Pas d'enfant, pas de mariage. Non, il y a un mariage, mais mariage, je garde tout le temps et tout. En tout cas, toujours persécuté. Tout le temps persécuté. Même les affaires et tout était vraiment. Donc j'ai tout fait, je suis allée jusqu'à Abidjan. Avec le même moyen que j'avais, je suis partie à Abidjan. Et je suis allée tout faire. Je suis arrivée à Abidjan, j'ai appelé papouné. Je dis à papouné, moi j'arrive et moi où je suis là. On dit à les bénis, il faut payer tant, moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis là, un rond, moi je vais venir. Dis, ma fille n'a pas de problème, il faut venir. Donc c'est comme ça que je suis partie. Et tout s'est bien passé là-bas. J'ai même pas même. Il m'a donné une bouteille d'huile, c'est qu'on a. Il m'a versé comme d'habitude, fait des prières et tout. Et puis, je suis rentrée à Abidjan. Après, j'ai essayé de l'appeler et tout, mais bon, comme il a beaucoup pris, ça passait pas. Juste à ce que je revienne sur Paris. Déjà, même pour faire un enfant, c'est tout un problème. À chaque fois, c'est des. Ça vient même pas de fois, ça vient des fausses couches, des trucs comme ça. Connaissez-vous les femmes? Et depuis que je suis quittée là-bas, ben voilà, voilà le résultat. Mm-hmm. J'ai pas. On acclame Jésus. Voilà. Je suis enceinte de 7 mois. La sœur dit qu'elle est enceinte de 7 mois. Je suis venue, c'est une famille. C'est tout bon. Voilà, c'est ce que j'avais.